Vous avez 15 minutes pour vous prendre un goûter, nous en préparer un. 16 heures, vous avez une montre, vous avez un truc, 16 heures. Si jamais nous on a une minute de retard, c'est normal, on est les profs. Si on a du retard, nous. Pas 15 appels. Non, va vite prendre ton goûter, toi. Bah écoute, plus il y a d'appels, moins il y a de chansons sur le prime. Ah, Greg, ça fait 2 minutes en retard, moins de chansons. À plus tard. La tempête qu'elle a faite, c'est quoi ça? Ah oui, non. Des bambous et tout. Maintenant, on voit l'eau. Ils ont été dévastés, là. Mais j'imaginais pas que c'était comme ça. Ça a été violent. Vous pouvez vous imaginer un truc, c'est que quand vous chantez, il pleut, il y a du vent. Voilà. Ah. Ça a été d'une violence. C'est quand même pas compliqué, hein. Ben oui, je te jure. 7 heures. Pour toujours. On y croit tous. Va falloir venir me chercher. Ah, celui-là, alors. Mathieu Bonnet. Moi, je veux te dire, qu'est-ce qui va pas me manquer ici? Ce sont les micros. Les micros. Les caméras. Quoique, peut-être dans un premier temps, si, ça si, va... Si, si. Ça sera... Même le matin, quand on va se lever. Ah, raconte, les interviews, là. Le truc qui va être super quand je vais me lever le matin. Si j'ai pu enlever n'importe comment, j'ai pas envie de dormir habillé. Non mais c'est con hein. Et tu dors pas habillé. Parce que t'as l'habitude de dormir à poil toi. Mais c'est pas ça, c'est ta façon de parler. Scoop de... Mais non, mais Lucie, à ses ailes, dort à poil. Mais si t'as envie de te lever n'importe comment, tu peux. Parce que toi tu te lèves sur la tête des fois. Bon allez, va, marche, avance, allez. Viens, rentre à la maison. Et tu prends tes rêves pour des réalités. Bah non, rentre à la maison. Demain, on rentre à la maison. Ce n'est pas notre maison. Et avec Odette, la semaine dernière, on disait on rentre à la maison. Bon, depuis le temps que j'ai envie d'aller faire un tour, là, je vais y aller. Attends. Non. Je regarde. Je regarde avec les yeux. Je regarde avec les yeux. Regarde. Vraiment qu'on n'a pas d'accord là-haut, mais je suis bon. Non, mais je te jure, moi je fais une fixation maintenant. Normal. Parce que je sais que tout le monde est pendu au fait que. Oh là là, tu as deux doigts de te prendre le. Excuse-moi, alors je me fais rire. J'ai senti la douleur moi aussi, tellement de. J'ai mangé des clémentines. Quoi? Toi, t'as un beau petit nez. Moi, j'ai une bosse. J'avais. Viens, moi j'ai une bosse, t'as vu? Là. J'avais un beau petit nez. C'est bizarre le mien. Toi c'est ça, moi il y a une bosse. Fou hein. Je veux dire, je pense pas à ça tous les jours quand je me lève. Heureusement pour moi. C'est bien rangé chez moi. Je sens qu'on va aller au même endroit là. Bah, j'y vais en premier, attends. Je vais vite faire. Attendez, je laisse de l'image comme ça. Ça part. Je suis prendre une éponge de l'eau. C'est ça? Il est où le... Le quoi? Bah le truc qui part. Il est pas, sinon je l'aurais pris. Ça part ça? Ça revient pas, j'ai écrit à l'LOM. Non, ça part pas. Non mais ça se voit pas. Quand t'écris. Ouais. They say we love and we don't know. Mais c'est vrai, hein, tu vois, je fais une fixation sur... Avant, je parlais quand même pas comme ça. Tu parlais un peu ou pas? Bah, au niveau de la compréhension, j'étais toi, toujours pareil, dire... mais... Ouais, mais moi, j'ai vraiment le même problème que toi. Si j'avais su. Mais ça, tu... Mais c'est rien. Ça va, j'ai pas fait l'erreur, là. Bon, ce matin, tu l'as fait devant la caméra. Oh là là, punaise, la dèche. J'ai pas dit... J'ai voulu te le dire, mais je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. Hein. Ça déconne, c'est parce que tu réfléchis pas à ça, alors pas du tout. C'est pas une question de réfléchir. Non, c'est un automatisme. Je fais tout le temps, c'est la même erreur. C'est oui, la même. C'est ce que j'ai dit. Tu en plus, pas, je dis tout le temps. C'est tout. Dis tout le temps cette phrase. C'est juste un automatisme si seulement. J'avais su que. Voilà. C'est juste un automatisme qu'il faut que tu perdes. C'est pas grave. Oh, mais toi, mais. Le jour où je te verrai faire ça, c'est tout simple. Ça, c'est une victoire. Ah oui, enfin qu'on y aille, hein. Tu m'en donnes un peu. T'as vu? De quoi? Sérieux. Ça y est, je m'en suis pris déjà.
faut que je chante, moi, je me connais par cœur. Si je pousse en étant fatigué, je vais me péter la voix. Je le fais pas parce que c'est comme ça. Non, mais je vais, c'est pas grave, je vais faire juste une fois, puis après, je vais à l'octave. C'est pas là pour fatiguer, tout ça. Ah, c'est comme si on était un lundi, là. Oh, putain, je suis content d'être à la maison demain. Non, mais j'espère que j'entre à la maison aussi. Mais chez nous, quoi, chez moi. Qu'on peut rentrer chez nous, tu vois, dans l'appartement. Dans l'appartement. Ouais. Bon. Ça va. C'est quoi, 120 mètres carrés? Oh oui. En fait, il est fait de telle façon que ça tourne en carré. Ah ouais. C'est pas grand, ça tourne en carré, c'est bien, on se gêne pas. J'ai toujours vécu là, je suis arrivée, j'avais un an. Ah oui, d'accord. J'ai refait ma chambre l'année dernière. On peut dire que la partie aussi que j'ai chez moi, c'est 120 mètres carrés. Ouais. Ouais. Ça doit être bien. Ah ouais. Ça, moi, j'ai refait... J'ai refait ma chambre l'année dernière parce que j'avais la chambre de petite fuite, la chambre tout en blanc avec le lit, j'arrivais plus à rentrer dedans tellement il était court, quoi. Ouais. Je me suis refait un truc bien. Je la récup. Je suis décoré mes machins. Ça rien parce que j'ai fini de décorer, je suis partie ici. Ah, que ça faisait un an. J'ai oublié les couleurs, tout. Faut que je m'en souvienne. Et l'odeur de chez moi, c'est toujours la vanille. C'est pareil. Ma mère, elle met toujours les pots pourris, des trucs comme ça. Moi, j'arrive pas à déterminer quelle odeur réellement il y a chez moi. Mais bon, c'est une odeur qui était familière, que c'est tu pas, reconnais, c'est, quoi. C'est un truc, y a pas, c'est le mélange de tout, quoi. Ça sent bon quand tu rentres. Puis l'été, tu vois. Sur le balcon, t'as les espèces de toile orange sur le truc. Ça fait une lumière un peu bizarre. C'est l'ambiance que tu as à chaque fois, l'hiver, c'est différent. Ouais. Hier, dans le reportage, on voyait mon grand-père devant la maison, tu sais. Il était... Mais c'était du monde, hein, à Nice, hein. Wow. Malheur, le maire et tout. Bah ouais, mais on a eu tous notre maire. Bon, c'est vrai que le maire de Nice, le maire de Sonnaz, ouais. Nice, c'est un tout petit peu plus grand que Sonnaz. Mais en tout cas, il faut attendre des mois pour rencontrer le maire de Nice, quoi. Sa femme, je savais même pas qu'elle... Ah, c'est horreur ce que tu manges. C'est une aquane. J'aime pas. Bah, il paraît que c'est bon quand même. Très bon. Ouais. Ils étaient devant mon lycée hier quand ils ont fait... Ouais, ils ont été... Quand ils ont fait le reportage. Ton collège. Ils sont allés... Ouais, ils sont allés à mon ancien collège, Saint-François. Je me souviens de mon directeur et tout, que j'avais quand j'y étais. Malheur, moi aussi. Ouais, il était génial. Toi, ça paraît d'être le cas, toi. Ouais, il était... Je sais pas, moi... Monsieur Damien. Moi, j'ai eu, dans le collège... Le fait qu'on ne voyait jamais, je parlais pas. Il arrêtait pas de nous soutenir. Ah ouais? Je me rappelle d'un moment où j'avais énormément bossé pour un devoir en maths, et c'était un prof de maths aussi. Je te l'ai dit. Tu m'avais raconté. Il n'arrête pas de me faire des compliments, il me donne la copie, j'ai 9,5. Mais c'est sympa. Alors moi, le pire, moi c'est ça, oui. Ouais. Prof de maths aussi, j'arrive en seconde, parce que j'ai refait une seconde, moi. Ma première seconde. Et mon prof de maths, c'était un amour. Mais un amour. Il était jeune aussi. Il avait capté que j'y comprenais rien. C'est simple, j'avais 3 de moyenne. Quand je dis 3, c'est 3. Et il était là à me soutenir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça m'a donné envie d'apprendre un petit peu les maths. Quand un jour, j'ai réussi à faire des vecteurs, tout, j'étais contente. Et tu vois, en plus, il a suivi et tout. Il me soutenait pour la musique. Quand je partais... C'est rare de prendre comme ça. Ouais, parce que je ratais les cours, des fois. Je partais pour faire de la musique.